Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un smartphone super intéressant mais également super haut de gamme. Il s'agit du Sony Xperia 1 en version Mark 3. Un smartphone proposé actuellement aux alentours de 1299€ dans la plupart des commerces en France. Même si bien évidemment on peut le trouver un petit peu moins cher en fonction du site ou du lieu d'achat, quoi qu'il en soit, ça reste un smartphone ultra haut de gamme et également très élitiste, mais qui embarque quand même une fiche technique plutôt intéressante. Au niveau de l'emballage, aucune particularité, on voit bien sûr l'appellation complète de ce modèle, c'est donc le Xperia 1 en version Mark 3, la dernière génération de ce modèle proposé actuellement par Sony. Le logo du constructeur. À l'ouverture du coffret, c'est un coffret qui est vraiment semblable au Xperia 5 Mark 3 que j'ai présenté tout récemment sur la chaîne, qui est pour le coup un petit peu moins cher, aux alentours de 999€. Là, on est vraiment sur la version ultra haut de gamme à 1299€, avec pour le coup un écran qui est un petit peu plus intéressant, mieux défini, mais ça, je vais y revenir juste après. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'emballage, c'est vraiment strictement similaire. Une fois qu'on retire le smartphone, on tombe bien évidemment sur toutes les notices et les documents de garantie liés à ce smartphone. Rassurez-vous, l'intégralité de la documentation est traduite en français. Au niveau des accessoires, aucune surprise, on retrouve un bloc chargeur plutôt performant d'une puissance de 30 watts. Ce bloc chargeur permet de recharger les 4500 mAh du smartphone de 0 à 100% en 1h40 environ, ce qui est plutôt correct sans être record. Et c'est encore une fois un point plutôt intéressant aujourd'hui, à l'heure où Samsung et Apple ne fournissent plus de chargeurs secteur d'origine, de retrouver un bloc chargeur plutôt performant en connexion USB Type-C. Comme sur le Xperia 5 Mark 3, on retrouve encore une fois toujours des écouteurs en connexion mini jack 3.5 parce que, par rapport à la concurrence, Sony conserve toujours une prise mini jack 3.5 sur ses smartphones et c'est vraiment pour moi un point intéressant et ça apporte tout du moins une polyvalence en utilisation. D'autant plus que la partie audio sur ce smartphone est vraiment bien aboutie et d'ailleurs la qualité audio de ses écouteurs intra-auriculaires est plutôt bonne. Et bien évidemment, pour finir avec les accessoires fournis avec ce Sony Xperia 1 Mark 3, on retrouve un câble de chargement plutôt costaud, mais pour le coup plutôt court, connectivité USB Type-C vers USB Type-C. Voilà pour les accessoires fournis avec ce smartphone, encore une fois il ne manque rien même si on aurait bien sûr aimé retrouver une coque de protection fournie d'origine, c'est pas quelque chose que Sony a l'habitude de faire. Quoi qu'il en soit, c'est déjà bien de retrouver des écouteurs en prise mini jack 3.5 et un bloc de chargement plutôt costaud de 30 watts. Voici donc le smartphone proposé actuellement par Sony à 1299€, ce superbe Xperia 1 Mark 3, un smartphone qui bien sûr reprend un petit peu le design des autres smartphones de la marque, c'est-à-dire un format 21/9 qui est vraiment cher à la marque Sony. Ce qui en fait un smartphone plutôt étroit mais également plutôt long, qui offre du coup une ergonomie assez spécifique, moi pour le coup j'aime beaucoup. Même si là forcément avec un écran de 6,5 pouces, ça en fait un smartphone qui est quand même très long, il faut bien le reconnaître. Ça peut être un petit peu gênant, notamment dans la poche d'un jean si vous montez les escaliers. En fonction de son positionnement dans la poche, ça peut être un petit peu handicapant au quotidien. Au niveau du design, on retrouve cette belle coque à l'arrière avec un traitement mat qui pour le coup est plutôt sympa, d'autant plus que celle-ci n'est pas trop sensible aux traces de doigts et je trouve que c'est plutôt une qualité en soi. Bien évidemment, on retrouve le logo du constructeur, le nom également du smartphone avec quelques informations de certification du produit. On retrouve, comme toujours chez Sony, le petit logo NFC au centre de la coque sur la partie supérieure. Et bien sûr, dans le coin, on retrouve l'intégration de ce module photo plutôt polyvalent. Celui-ci embarque en effet 3 capteurs photo différents ainsi qu'un flash LED. Bref, sur la partie photo et vidéo, ce smartphone, vous allez le voir, est plutôt complet. Gros point fort de la part de Sony, ils ne font pas la course au nombre de mégapixels comme ça peut être le cas chez certains Samsung, Oppo, OnePlus, etc. avec des capteurs de 108 mégapixels. Ici, on reste plutôt dans la cohérence avec des photosites plus grands, donc on sélectionne plutôt des capteurs qui offrent des définitions allant jusqu'à 12 mégapixels. C'est notamment le cas pour le capteur principal, c'est bien sûr un capteur Exmor RS de 12 mégapixels, une optique grand-angle de 24 mm avec une ouverture à f1.7, donc plutôt lumineuse. Et au niveau du résultat, pour une fois, et comme c'est le cas sur le Xperia 5 Mark 3, la qualité photo et vidéo est vraiment au rendez-vous, ça vaut vraiment la peine de s'intéresser à ce smartphone, tant par la qualité des résultats que par la polyvalence du module photo. Et bien sûr, le gros point fort de se limiter à 12 mégapixels, ça fait qu'on peut placer des photosites assez grands, du coup le smartphone n'est pas trop sensible au bruit numérique, il n'a pas tendance à monter en ISO dès lors qu'il manque de luminosité, et ça c'est vraiment l'un des gros points forts sur ce type de smartphone, les photosites sont plutôt grands, ce qui en fait des capteurs photo très efficaces en cas de faible luminosité, le smartphone n'a pas besoin de monter en ISO à des valeurs exagérées, ce qui évite le bruit numérique. Et bien sûr, au niveau du capteur principal, on retrouve une excellente stabilisation optique très efficace. Le deuxième capteur photo sur ce Sony Xperia 1 Mark 3 est un capteur encore une fois de 12 mégapixels, c'est une optique allant de 70 à 105 mm, il y a donc deux positions comme sur le Xperia 5 Mark 3,
avec bien évidemment une ouverture variable. Vous serez à du f2.3 en focale 70 mm et du f2.8 en focale 105 mm. Et pour avoir déjà testé ce capteur et cette focale sur le Xperia 5 Mark III, franchement c'est vraiment très intéressant et très agréable au quotidien. Ça apporte en plus une polyvalence vraiment agréable en utilisation, d'autant plus que la stabilisation est vraiment excellente sur les deux focales. Le troisième capteur photo est encore une fois un capteur de 12 mégapixels, optique à ouverture f2.2, il s'agit là d'une optique ultra grand angle, donc une focale de 16 mm. Encore une fois, cela apporte une polyvalence plutôt agréable, même si bien sûr ça déforme énormément les droites et les perspectives de vos photos, et il y a nécessairement un manque de piqué, notamment sur les pourtours de la photo, quoi qu'il en soit. C'est plutôt sympa, même si je ne suis pas fan de ce type de focale. Ça permet quand même de prendre des monuments, des paysages ou des groupes d'amis, notamment s'il n'y a pas assez de recul. Concernant la partie vidéo, encore une fois, c'est du très bon niveau sur ce smartphone. Vous pouvez filmer en 4K HDR à 24, 25, 30 et 60 images secondes avec une excellente stabilisation optique et électronique. Et on a même la possibilité de filmer en Full HD 1080p à 240 images secondes. Vous l'aurez compris, la partie photo et vidéo sur ce smartphone est absolument bien maîtrisée et très agréable à utiliser. Et enfin, pour finir avec la partie photo et vidéo sur ce smartphone, dans la tranche supérieure sur la face avant, on retrouve bien sûr le capteur frontal de 8 mégapixels avec une optique à ouverture f2.0, donc plutôt lumineuse. Encore une fois, la définition n'est pas incroyable sur le papier, quoi qu'il en soit, les photosites sont assez grands pour faire des photos propres même en cas de faible luminosité, et le champ d'ouverture de 78 degrés permet de faire des photos assez sympas, notamment s'il y a plusieurs personnes sur la photo, quoi qu'il en soit, le résultat est malgré tout très bon, donc ne vous inquiétez pas en lisant seulement 8 mégapixels sur la fiche technique. Sur la tranche du smartphone qui est absolument sublime, je trouve, il y a un côté très minimaliste que j'aime beaucoup, on retrouve bien sûr les boutons de contrôle volume plus et moins, vous retrouverez également le bouton de démarrage qui fait également office de lecteur d'empreintes physiques. Encore une fois, celui-ci fonctionne bien et tombe parfaitement sous le pouce. Pour moi, je trouve que c'est vraiment un placement idéal. On retrouvera également le bouton lié au service Google. Et bien sûr, le gros point fort sur ce smartphone, c'est ce déclencheur photo physique. En plus, avec un aspect un petit peu rugueux comme ça, qui permet vraiment de bien le prendre en main. Et ce déclencheur photo a bien évidemment deux positions. Le premier niveau pour faire la mise au point. Et enfin, le second niveau pour bien sûr prendre la photo. Si vous êtes un adepte de photographie, c'est vraiment un pur bonheur. Au niveau de la tranche inférieure, on retrouve bien évidemment la connectivité USB Type-C avec un microphone extérieur. Sur la tranche opposée, qui est encore une fois très minimaliste et très réussie, il n'y a ni mouton ni interaction, on retrouve simplement le tiroir nanoSIM dans lequel on pourra mettre deux cartes nanoSIM ou alors une carte nanoSIM plus une carte microSD allant jusqu'à 1 Tera, ce qui encore une fois apporte une polyvalence au smartphone. Au niveau de la tranche supérieure, vous retrouverez la prise mini jack 3.5 ainsi qu'un microphone extérieur. Et enfin, pour la partie audio, gros point fort sur ce smartphone, on retrouve deux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos très performants et surtout très équilibrés. On en retrouvera un directement intégré sur la tranche inférieure, et l'autre sera bien évidemment intégré sur la tranche supérieure. Encore une fois, le son est vraiment très bon, et la qualité audio est vraiment très immersive. Au niveau de la face avant, on retrouve bien évidemment la pièce maîtresse de ce smartphone. C'est un superbe écran de 6,5 pouces au format 21/9, donc assez spécifique à Sony. Une définition dingue 4K de 3840 par 1644 pixels, ce qui vous offre une densité de pixels de 644 pixels par pouce. Autant vous dire que la définition de l'image est absolument excellente et qu'il est impossible de distinguer un pixel d'un autre. Une excellente technologie d'affichage OLED compatible HDR, un taux de rafraîchissement à 120 Hz, une protection Gorilla Glass Victus à l'avant et une protection Gorilla Glass 6 à l'arrière. Seul petit bémol au niveau du taux d'occupation de la face avant, on est limité à du 85% environ. En effet, quand vous allez le voir allumé, on se rend compte qu'il y a bien sûr un petit menton et une tranche supérieure qui font hélas un petit peu défaut en 2021 sur ce type de smartphone. Quoi qu'il en soit, la qualité d'affichage fait clairement oublier ces deux petits détails. L'expérience audio et visuelle est vraiment excellente sur ce smartphone. Au niveau des performances, c'est un smartphone ultra haut de gamme, donc tous les composants sont là et sont au rendez-vous. On retrouve un excellent processeur Snapdragon 888 compatible 5G, 12Go de RAM, 256Go d'espace de stockage avec la possibilité de mettre une carte microSD allant jusqu'à 1 Tera. Et la partie graphique n'est pas en reste avec un GPU Adreno 660. Voici donc ce superbe écran 4K OLED avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, l'affichage est vraiment excellent, c'est très fluide, très efficace, les contrastes sont infinis, la colorimétrie est excellente. La luminosité maximum aurait gagné un petit peu à être plus lumineuse, notamment en cas de fort soleil à l'extérieur, quoi qu'il en soit, ça reste tout à fait acceptable. Mais sincèrement, si vous êtes vraiment sensible à la qualité de vos écrans et au taux de rafraîchissement, pour le coup, Sony a vraiment signé une belle réussite avec ce smartphone. Au niveau de l'autonomie, j'en ai parlé juste avant, c'est une belle batterie de 4500 mAh, 0 à 100% en 1h40 grâce au bloc chargeur fourni d'origine. Vous avez également la charge sans fil sur ce smartphone. Encore une fois, un gros point fort par rapport à ce smartphone, c'est qu'on peut vraiment paramétrer comme on le souhaite la qualité d'affichage. Sony est vraiment un expert en fabrication d'écran et ça se voit directement en utilisant le smartphone. Vous
Vous avez donc différents modes qui sont disponibles, c'est vraiment très professionnel, très bien expliqué. Vous avez également le choix de passer ou non en mode 120 Hz. Attention néanmoins, si vous voulez basculer en 120 Hz avec une telle définition, la batterie va vraiment en prendre un coup. Du coup, il ne dépassera pas une journée en utilisation, c'est d'ailleurs un de ses seuls points faibles. Donc si vous souhaitez avoir une autonomie relativement correcte, restez en 60 Hz, même si c'est un petit peu dommage en 2021 sur un smartphone vendu à près de 1300€. Sinon, bien sûr, si une journée d'autonomie vous suffit, vous pouvez basculer en 120 Hz et profiter pleinement de cet bel écran. Concernant la connectivité, c'est bien sûr excellent, ce smartphone est compatible Wi-Fi en version 6, Bluetooth en version 5.2, on retrouve un module NFC, une prise mini jack 3.5, une connexion USB type C, Dual Nano SIM compatible 5G, port micro SD allant jusqu'à 1 Tera, bref, tout est au rendez-vous sur ce produit. Il tourne nativement sur Android en version 11 avec une petite surcouche maison qui est aujourd'hui bien connue chez Sony. Et ce smartphone pèse en tout et pour tout 186 grammes avec un poids qui est bien équilibré, des tranches qui sont malgré tout plutôt fines et malgré son format assez spécifique, il est vraiment agréable au quotidien. En effet, l'ergonomie est vraiment bonne sur ce produit. Point intéressant au niveau de la certification, on retrouve une certification IPX5 et IPX8 par rapport à la résistance à l'eau et une résistance IP6X par rapport à la poussière. Bref, c'est un smartphone qui a quand même des certifications plutôt sympas qui pourra bien sûr éviter les petits problèmes d'usage s'il se met à pleuvoir. Après, bien sûr, voyez ça comme une protection et non pas comme une fonctionnalité, donc bien sûr, ne vous en servez pas sous la douche ou dans une piscine par exemple. Ça n'est clairement pas fait pour ça. Et bien évidemment, comme je l'avais montré sur le Xperia 5 Mark 3, la partie photo sur ce smartphone est absolument folle. En plus d'avoir une partie photo physique, hardware vraiment performante, le software est également au rendez-vous. Si vous utilisez un Sony RX10 ou un RX100 Mark 3 ou Mark 4, vous allez directement remarquer et reconnaître bien sûr cette interface. On peut sincèrement régler tout ce que l'on souhaite, gérer la montée en ISO, etc., basculer directement entre les différentes focales, bref, c'est vraiment très professionnel et bien intégré. Et le fait d'avoir l'intégration de ce bouton physique sur la tranche du smartphone, ça donne vraiment un côté très professionnel à l'expérience photo. Bref, je suis absolument bluffé et conquis par ce smartphone pour sa partie photo. Voilà pour la présentation et le déballage rapide de ce Sony Xperia 1 Mark 3. Je le rappelle, un smartphone vendu aux alentours de 1300€, donc vraiment ultra haut de gamme. Vous l'avez remarqué dans ma vidéo, tout est au rendez-vous, que ce soit au niveau des performances, de la qualité d'affichage, de la qualité sonore ou de la polyvalence photographique. En plus de ça, on a droit à un chargeur plutôt performant, une belle protection sur la face avant Gorilla Glass Victus, une certification d'étanchéité, bref, tout est absolument au rendez-vous sur ce smartphone. Et au niveau des points faibles, pour m'en être servi pendant quelques jours, on pourra simplement lui reprocher une tendance à chauffer, notamment en cas de fortes sollicitations. Ça n'est pas propre à ce smartphone, pour l'instant, j'utilise personnellement un iPhone 13 Pro, et si je m'en sers longuement, notamment sur le Bon Coin, c'est absolument catastrophique comme il se met à chauffer et à ralentir. Ce smartphone a également ce type de problématique, mais ça n'est pas, encore une fois, juste le cas de ce smartphone. Et également, deuxième point faible, ce sera notamment son autonomie en 120 Hz. Ça peut être un petit peu handicapant, mais rassurez-vous, vous partirez quand même sur une journée tranquillement en utilisation classique, ce qui est tout à fait acceptable, encore une fois. Et si vous avez besoin de plus d'autonomie, basculez simplement en 60 Hz, et ce sera du coup beaucoup plus endurant, ce qui est très sympa. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo de présentation et de découverte du Sony Xperia 1 Mark 3. Merci bien sûr à Sony France de me permettre d'accéder à leurs produits. Dites-moi dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez, et rejoignez-moi bien sûr sur Twitter, sur Instagram, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça vous fait plaisir. Moi, j'ai vraiment besoin de vous pour continuer cette aventure et pour un petit peu crédibiliser ma chaîne auprès des marques. Merci d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.